Michel. Voilà. Encore un grand merci. Alors maintenant, je voudrais aussi donner une petite pensée à mon ami Bruno Rapin. C'est pas parce qu'il n'est pas là, moi je sais que c'est grâce à lui aussi que tout ça, ça existe. Et Pierre Boera qui a permis aussi tous ces... Voilà. Il faut que ces gens soient remerciés parce que ça... Merci. Maintenant, nous allons avoir le groupe Carte Postale. Oui, c'est ça. Voilà. Ils sont arrivés en retard à cause de la grève des postes, bien sûr. Alors, il y a Jacques Coudet. Oui, merci. C'est celui qui ressemble vaguement à Hugo Frey. C'est ça, non? Un peu. Il y a au chant Thierry Nicole, dit Nicou. Et donc à la guitare. Hein. Au clavier, Didier Le Gannic, c'est ça? Le Gannic. Un breton, c'est breton, non? Le Gannic, c'est bon, dans la mettons la gueule, tu sens le varec. À la basse, Nicolas Delpierre. Et au tambour, Raphaël Fromy. Raphaël! Alors, il a perdu tous ses cheveux après avoir écouté Vianney, c'est pas sa faute. Alors, donc, je vous laisse en compagnie de Carte Postale. Le bassiste n'a pas d'ampli, hein. Ça va être un peu pénible. On peut jouer sans ampli, pourquoi pas. Oui, il peut faire un effort aussi, hein. il peut appuyer un peu plus fort sur les cordes. Il faut des amplis maintenant avec moi. C'est des jeunes, il leur faut tout, il leur faut du matériel, il leur faut... Ils savent pas se débrouiller sans rien. Déjà, vous avez un public d'enfer, vous venez les emmerder avec un ampli de basse. Ceci dit, le branche pas sur l'ampli, peut-être ça marche pas non plus. Et ce sont les aléas du direct. Pendant ce temps, notre ami qui n'a pas non plus, il n'a pas de clavier, donc pas de clavier, pas de basse, pas de talent derrière, alors on va chanter une chanson en grec. Voilà. Et c'est là que vous pouvez voir la souffrance de Michel qui fait toute la technique derrière. Il est beau, bien payé. Le voilà, pour applaudir Michel, c'est lui qui fait le retour. Et voici, si tout va bien, s'il y a tout ce qu'il faut, Carte Postale, ils sont tous timbrés. On est bien, bien, bien. Oh, oh. Je sens qu'on a, on a pas fini de mascagner ce soir. On aurait dû partir avec les autres Lot-et-Garonnais à Biscarrosse, tremper le cul dans l'eau. Je sais pas ce que c'était quoi cette idée de rester à Villeneuve. Non, on a déconné. Hein. Pas la Biscarrosse, on était trop coincé au niveau de notre agenda, on pouvait pas. Sinon, on y serait allé. Hein. On revenait d'une tournée au Japon et d'un concert à Las Vegas. Donc, il y avait juste cette date-là et on n'avait pas le temps d'aller jusqu'à Biscarrosse, c'est con. Hein. Sinon, on se serait béni, il faisait beau, c'était un bon entraîné. Le batteur me dit que c'était pas Las Vegas, c'était Fressas, c'est ça? D'accord. Alors si vous avez vu un cahier vert... Hugo Frey a perdu un cahier vert.
Ne pleure pas, non, ne pleure pas. Tu as toujours de bons yeux. Ne pleure pas, non, ne pleure pas. Tu aurais pu rendre un homme. Je veux bien passer pour un compte de minutes, mais... Pourquoi seulement deux minutes? On va vous jouer une petite chanson, un andro. Fais un petit andro breton. Ça, c'est pas un andro, hein. Tu parles très breton. Alors, sans cahier, il ne faut pas jouer. Arrêtez maintenant, rendez-lui le cahier aussi. Enfin, ils sont trop joueurs. Je l'ai placé, mais bon, je sais plus. Ça va 5 minutes, mais bon, après, il y a des gens qui attendent et tout. Hein. Rendez-lui le cahier, merde, ils sont salauds. Ça s'appelle les inconvénients du direct. Ça profite pour vous présenter au retour Michel. C'est pas une blague. Ah, mais voilà, je vais un cahier vert aussi. Professionnalisme, c'est un truc qui ne s'invente pas. Hein. Le guide, vous allez voir un truc inédit, c'est le guide on va jouer la partie de la batterie. Le chanteur va jouer le son du clavier. Et au retour, il y aura le bassiste. Et c'est très, très inégal. Bonne soirée quand même. Maintenant, il n'y a plus de pédalier. Si vous connaissez le guitariste, c'est quelque part aussi. Ah mais ils ont déjà vu des branleurs au théâtre de gymnase, mais là ils sont tombés sur la sacrée équipe quoi. Ah pour mascagner, ça mascagne. La tripote et mascagne, alors là. Allez c'est parti. Là. Alors là on est à fond. Hein. Putain. Et le vol de cahier. Oh, con, ce qu'on aura mascagné et remascagné pour faire de cette putain de chansonnette l'hymne du 47. Mais puisque la France avait sa Marseillaise, fallait bien que le Lot-et-Garonne eût sa pujolaise. Car franchement, elle n'a mais ça de déconner. Oh, Coé, on n'est pas bien là. C'est pour à Paris ou Bordeaux, à Toulouse ou Tokyo. Mais toi, laisse mon bureau, tu reviens sur l'eau. Coupe donc de ton iPhone, respire. Allez, le suivant.
Dagenais et des Français, des Marocains et des Portugais. On aurait même des Tonaïtiens. Oh mon Dieu, c'est tout l'Alger. Des Italiens, des Maghrébiens, des Homo sapiens et des Martiens. Toutes sortes de femmes et d'hommes qui aiment le Lot et Garonne. We'll be right back.
écrit des cartes postales. À coup sûr, les mignons prenaient des heures de vol. Coudraient au piquet les parents cautionnés. On avait des groupes, en tout cas. Moi, quand je regarde ma belle famille, c'est pas tout de suite les adjectifs qui me viennent à l'esprit. Ouais, bah, t'as pas ma belle famille, on voit bien, toi. Je t'emmènerai faire un dîner un dimanche midi, tu verras. Thank you.
c'était quand même meilleur. Épique à bord du Titanic. Eh oui, tout le monde est embarqué. T'es embarqué toi ou pas, Henri? Oui. Toi, ouais. Prêt pour appareiller? Agitez-vous, mouchoir. On largue les amarres. Thank you.
Qui porte bien son nom, hein. Une chanson un peu poétique, un peu politique, La Cata. Thank you.
Bretagne. Ils ont complâti les montagnes, rasé les châteaux d'Espagne. Ils ont assoiffé les torrents, ils ont même brûlé les volcans. Ils ont noyé les océans. À venir, c'est le cousin Christophe. Encore. Vu qu'on ne le retrouve pas trop vite.
amis sur lui. Vous m'accusez d'être vos amis. Bah oui. Vous êtes complètement con. N'importe quoi. Pourtant, on connaît. C'est toujours couché dans une barre. Mais non, je sais pas. Mais taisez-vous enfin, je ne suis pas son cousin. Je ne suis pas malin, on sait que son cousin, le cousin à Tristan. C'est pas eux qui nous ont, le cousin à Tristan. Il est près du micro. Un grand merci au groupe Carte Postale.